Ici, au bout du compte, je reste une étrangère. C'est saisonnier, c'est éphémère. Hein? C'est pour ça que c'est magique. C'est une femme très, très libre. C'est une femme qui a pas peur de ses opinions. C'est une femme qui a un grand sens de l'humour. C'est une amoureuse des mots, hein, sa professeure de littérature. Et à chaque été, elle retourne en Provence voir ses amis depuis à peu près une dizaine d'années. Et la pièce nous la montre en Provence et je m'adresse à mes amis français, mais c'est comme je m'adresse au public finalement, mes amis français, c'est eux. Et c'est entrecoupé de moments où tu la vois en vidéo, où là tu la vois dans un autre état, c'est-à-dire que c'est une femme qui va perdre peu à peu son autonomie. Silence. Par le corps. Moi, je touche. Je suis comme ça, je touche. Je touche tout le temps tout, je touche tout le monde. J'ai besoin de toujours tout toucher, c'est plus fort que moi. Ce texte-là est merveilleux. C'est un grand, grand cadeau pour une actrice. C'est un personnage formidable. Puis moi, c'est un retour à Québec. C'est quand même la ville où tout a été pour la première fois ici. Là, t'sais. Donc, puis c'est un retour à l'aborder après 36 ans.